que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlogmas. Donc je vais pas vlogger aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation officielle. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans ma vie, pas mal de temps qu'il me fait chier, pas mal de temps qu'il me regarde avec ses beaux yeux magnifiques. Il fait partie intégrante de ma vie et ce pendant plusieurs années, je l'espère. Il est assez poilu, il est assez drôle, il est assez moustachu aussi. Et donc je vous parle bien évidemment de Bichette. C'est Bichette. Oui, c'est mon bobo chat. C'est mon petit chat. Tu dis bonjour à la caméra? Ah là, tu fais moins le malin là. Ah bah fou, il est pas content. Je voulais présenter, enfin je voulais pas présenter vraiment officiellement ce chat. Il est apparu dans une de mes vidéos haul, je crois. Il est arrivé comme ça en mode j'arrive, je m'incruste tout doucement dans la vidéo, je fais genre que je ne suis pas là. Et dans les commentaires, vous avez été waouh, c'est à qui ce chat, il est trop beau, etc. Patati patata. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de vous vraiment le présenter. Donc, il fait partie de notre vie depuis juillet. C'est un petit chat sacré de Birmanie. Je vais essayer de vous mettre des vidéos de Bichette juste après quand il était petit, quand il avait 3 mois. 3 ou 4 mois, je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu. Donc son prénom, son vrai prénom, il s'appelle Prince. Donc c'est la dame qui l'avait appelé comme ça. Et donc on a gardé ce prénom parce qu'il était vraiment... Enfin ça lui allait super bien, vraiment une pose majestueuse. C'est un prince, tu vois, c'est un petit prince. C'est un monsieur qui gueule pour avoir sa petite pâtée, il gueule pour avoir des petits papouilles. Il mord tes pieds quand tu fais dodo. Voilà, il mord tes pieds. On l'a pris au bout de 2 mois de relation environ. C'est un engagement, c'est comme si on se mariait, on se paxait, c'est un engagement. Donc pour celles, je suis sûre qu'il y aura des commentaires du style t'as pas peur que ça fasse comme avec Kina. Parce que comme vous le savez, la suite de ma séparation avec mon ex a gardé Kina et je ne peux plus avoir de nouvelles d'elle. Donc j'en ai beaucoup souffert. J'espère ne pas revivre cette situation là. Dans tous les cas, je me suis faite pas cette idée là si un jour ça arrive, mais le chat est au nom de mon conjoint. C'est à son nom, donc c'est lui le responsable. Enfin, si toi et moi ça doit se finir au bout pour x ou y raison, je pourrais pas t'empêcher de venir le voir de temps en temps. On m'a déjà fait ce petit discours. C'est vrai? Ouais, mais enfin, je sais pas. Et voilà, je me suis fait à cette raison-là, je me suis dit voilà, Elisa, c'est notre chat à nous, mais au nom de papier officiel. C'est moi qui ai choisi. Hein. Moi, j'aurais pu très bien mettre mon nom, nos deux noms. Ou... Ah non, on peut pas mettre nos deux noms. J'aurais pu mettre soit mon nom, soit son nom. Et voilà, donc bref, pour cette petite parenthèse, on a pris un chat au bout de 2 mois. C'est que vraiment, notre relation est fondée sur des. Sur des choses stables, sur des choses vraiment claires, honnêtes et précises. Enfin, c'est le fruit d'un amour. C'est comme si on avait fait un enfant pour moi. C'est le fruit d'un amour. Et j'espère qu'il vivra très longtemps ce chat. Donc c'est un sacré de Birmanie. Pourquoi ce chat? Moi j'en rêvais un depuis très longtemps. Sauf que j'ai jamais pu en avoir un. Soit un de mes conjoints, mon ex-conjoint ne voulait pas de chat, il aimait pas ça. Soit j'avais pas mon appartement donc je pouvais pas en avoir un. Et là j'ai mon appartement, j'ai mon conjoint qui veut un chat. Je voulais pas au début moi. Ah tu voulais pas? Non, moi je voulais plus d'animaux dans ma vie de base. Mais j'ai vu sa gueule et j'ai fait c'est mon chat. On vous mettra une photo, si j'espère que je l'ai encore la photo, de quand on a vu Bichette. Je vous mettrai juste là. C'est... En fait je sortais Birdie et là il y a mon copain qui me fait il est trop beau, il a crié par la fenêtre, il est trop beau. Donc je me suis ruée pour rentrer à la maison, j'ai dit Birdie vas-y c'est pas grave tu fais un dernier pipi on y go. Je suis arrivée, j'ai vu sa gueule, je fais je veux. Et même son prénom me plaisait, genre tout me plaisait chez ce chat. En fait on l'a vu, mais dans ma tête j'étais en mode... En fait on avait dit bon c'est pas une bonne idée, on a 2 mois de relation, j'avais pas de boulot à ce moment là, lui avait un CDI mais ça allait se terminer au mois de septembre, donc on s'est dit dans l'avenir ça va être un peu compliqué si on doit faire des soins ou je ne sais quoi, si on n'a pas les sous, si on ne peut pas acheter des croquettes etc. C'est vraiment un engagement, c'est pas genre oh, je prends un chat et basta, tu vois, faut payer la nourriture, le veto et tout le bordel. Après les sacrés de Birmanie sont une race qui, enfin est une race qui ne... qui a très très peu de maladies, qui est très... comment on appelle ça? Ça dépend des personnes en fait, ça dépend... Robuste. Bon, permanent. Ouais, enfin ils sont bien lotis ici, ils ont des croquettes à volonté, de la pâtée comme ils veulent. Fontaine à eau que mon copain a offert à Birdie pour son anniversaire. Et pour Bichette. Donc on a vraiment hésité, au début on a dit non et tout, enfin voilà, on a attendu au moins 2-3 semaines, hein. Vraiment 2-3 semaines. Pour vraiment se décider, et la meuf nous a recontacté en mode hey! Enfin, on pouvait pas lutter quoi. Donc, on a regardé ses photos, etc. Il avait un petit peu grandi, il était vraiment beau.
Après, moi je voulais un sacré brownie, pas Blue Point, je sais pas c'est ça. Genre où c'est trop foncé sur le devant, j'aime pas ça. Malheureusement, il devient un peu comme ça, mais il est beau quand même. Moi j'aime bien un peu les tigrés, etc. J'adore ça. Donc, on en a vu un autre tigré, il était vraiment beau. Il était à côté de la maison en plus, on allait le voir. Mais mon copain, dans sa tête, c'était prince, hein. C'était prince. Donc en plus c'était assez loin un prince hein, pour venir le chercher. Je suis allée le chercher et je suis revenue, j'ai fait l'aller-retour en une journée. Et j'avais mon petit prince avec moi à mes côtés. Donc j'ai appelé ma soeur en mode « Ma soeur, viens tout de suite, c'est ton petit fils qui est à la maison !» Donc elle est venue et tout, elle a joué un peu avec lui. Il était tout petit, vraiment trop mignon. Maintenant c'est un gros matou là, il a pris ses aises. Donc voilà, c'est un très beau chat que j'aime énormément. Et pour l'occasion, hein, on va introduire un petit... pas placement de produit, non, je suis pas payée pour ça. Donc en fait, il y a Ultra Premium Direct, je pense que vous connaissez cette marque. Oh, la transition est vraiment horrible. Hein. Mais en gros, Ultra Premium Direct, j'avais déjà acheté chez eux pour les croquettes de Birdie. C'est une marque vraiment pas chère pour ce que c'est. Donc c'est une marque croquettes sans céréales, avec beaucoup de viande, etc. J'avais déjà acheté un paquet de 12 kilos à Birdie et j'en ai encore un tout petit peu pour elle parce qu'elle aimait beaucoup ça. Après j'essaye de varier un peu son alimentation tous les ans, mais elle adorait ces croquettes là, ils font de la pâté pour chat, des croquettes etc. Moi c'était 12 kilos 30 euros, c'est pas cher, vraiment c'est pas cher. Alors moi maintenant vu que je travaille à Truffaut, j'ai moins 50% sur les croquettes, donc ça m'avantage pas. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont des gros chiens, qui ont besoin de croquettes, bah sur leur site c'est vraiment pas cher et c'est livré en 2 jours, genre moi j'ai reçu mon colis en 2 jours. Donc pour l'occasion j'ai pris une petite box pour mon chat. C'est cette marque là en fait, je sais pas si vous l'avez déjà montré le logo tout ça, mais c'est cette marque là. C'est pas cher, c'est de la très très bonne composition. Pour que je prenne à Birdie, c'est que vraiment, et j'avais même demandé sur Instagram si vous voulez faire un partenariat avec moi, ils ont accepté. Il y a pas mal de temps que ça. C'est pour toi, Bichette. Oui, c'est pour toi, mon chat. Vous êtes trop beau, mon chat. Ah oui. Alors, attends, t'as une box dans une box. Oh, la boîte, elle est belle. Bichette. Lui, il reste. Oui, il reste. Bah, c'est pour moi, ça. Non, il est tellement calme, il s'en bat les couilles du tout. C'est trop bien. Ah ouais. C'est une race hyper bavarde en plus. Dès qu'il veut nous faire savoir quelque chose, il nous le dit. Hein. Ça, c'est clair, mais déprécis. Tu lui fais des câlins. Il en a pas eu assez, toi tu t'en vas parce que t'as autre chose à faire. Et il te suit et il te gueule dessus. Mais regardez encore, je veux de la pâté. Il est vénère ce chat. Mais sinon il est très très bien. Alors pour les arbres à chat, les jouets etc. L'arbre à chat, je sais même plus d'où ce qui vient. C'était quoi le site? L'arbre à chat. C'est un revendeur de Zooplus. Un arbre à chat en colonne. Donc pourquoi on l'a pris en colonne? En fait, Bichette il montait dans le lit, il arrivait plus à redescendre ce con. Donc à chaque fois il miaulait, donc on devait descendre du lit pour le faire descendre. Et ça 5000 fois par nuit, c'est vraiment galère. Donc on a pris un arbre à chat, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve. Il est très très bien, on n'a pas payé grand cher en plus. Hein. C'est un Zooplus de base, mais on l'a payé moins cher que chez Zooplus puisque c'était un revendeur. Voilà, il est très très bien vraiment. C'est ce que je voulais. Moi je voulais une colonne avec un hamac. C'est ce que je voulais en premier. Donc pour monter dans le lit, il montait par l'échelle. Ouais. Et quand on enlevait l'échelle pour pas qu'il monte, il montait par le pied de la mésanine. Genre il faisait comme un arbre. Donc en gros, il s'agrippait au pied puis il montait. Donc bah on a capitulé et on lui a dit bon, ok, il montait toute la nuit. Oh, mais c'était horrible, on pouvait plus. Hein. Quand il montait, on entendait clic. Ah oui, parce que attends, au début, on avait acheté un autre arbre à chat. J'ai gardé les vidéos de ouais, quand j'ai monté. J'avais acheté un autre arbre à chat. C'était un. Putain, comment s'appelle la marque? C'est une super bonne marque d'arbre à chat. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment beaux. Ils étaient en bonne promotion, moins 50% à Truffaut dans les semaines du chat là. Vraiment très très bonne marque. C'est les Wecker, voilà, c'est les Wecker. Ouais. Wecker, je crois. Et ils s'en battaient les couilles. Genre, c'était un super bel arbre à chat et tout, mais ils s'en battaient les couilles. Genre. Ils essayaient de le foutre dedans. Bah, ils sortaient, ils s'en foutaient, vraiment, ils s'en foutaient. Donc, bah, on a capitulé, on a pris un grand truc parce que lui, il aime bien la hauteur. Il aime bien grimper, ouais. Et il aime bien grimper, il aime bien faire son petit chat, quoi. Donc voilà, ouais, vraiment c'est bien. Bref, j'en reviens à la box, hein. J'ai fait une petite aparté pour ça. Donc la box, elle se présente comme ça. Elle est archi belle. Elle est archi belle, il y a un petit félin, il y a un petit chien ici. C'est vraiment une très très belle box. Donc ils font pour les chiens et pour les chats aussi. Donc moi j'ai pris pour les chats, hein, pour l'honneur de Bichette. Et c'est... Ah, c'est une belle boîte, hein. Oh là là, pour Noël c'est bien ça. Waouh, la 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 la. Mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu.
Ah non mais la boîte est vraiment très 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 bien fournie. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, elle est hyper bien fournie. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de tester leur marque. Enfin, au niveau des chats. Donc là, ils te mènent des petits, comment ça s'appelle, des échantillons de croquettes sans céréales. Donc il y a 70% de fish, viande, poisson et graisse, 30% de fruits et végétales et 0% de céréales. Céréales, c'est de la merde, c'est comme si tu bouffais du Nutella. C'est un peu la même chose. Donc c'est Made in France, c'est sans gluten. C'est vraiment une excellente marque, je vous assure, c'est une très bonne marque. Faut que je le prenne moi-même à Birdie, sans faire de collab avec tout, hein. Genre, c'est vraiment, c'est une bonne marque. Ils m'en ont mis deux. Ah, et je voulais trop tester leur pâté pour chat. C'est parce que c'est de la pâté mousse, je crois. Oh, il va kiffer ça, Bichette. Ah, ils m'ont mis deux parfums. Donc, ils m'ont mis au poulet savoureux et à la sole. Donc, il y en a deux à la sole. Il y en a deux au poulet, deux à la sole. Donc, deux à la sole, comme ça. C'est des petites boîtes, comme ceci. Donc, c'est des boîtes de 85 grammes. De ce que je regarde, les compos sont vraiment bien. Que de la viande, que du poisson, que des choses comme ça. C'est pas de la merde. Donc, au poulet savoureux. Donc, ça se présente comme ça aussi. Et là-dedans, il y a donc 45% de volaille, 13% de porc, du calcium. Après des vitamines D, vitamine E, vitamine B1, enfin bref, que du truc comme ça, du fer, etc. Donc je suis très contente. Un shampoing sans rinçage. Ah, c'est pas mal ça, je connaissais pas. De la marque Keradog. Donc je pense que c'est sur leur site. Agiter avant d'emploi, appliquer le shampoing sur le pelage d'animal et masser, renouveler l'opération, laisser agir 2 minutes, puis sécher le surplus. Ah, c'est pas mal ça. Après, je pense que s'il se lèche, c'est pas grave, je pense, vu que c'est un truc sans rinçage. J'ai trop hâte de tester sur Birdie. Ah, ils m'ont mis un autre échantillon de croquettes. Donc ça, je suis contente. Ils m'ont mis ensuite ces pâtés-là. Donc moi, je préfère ce genre de pâté comme ceci. Donc c'est des pâtés avec... Enfin, pas en mousse, tu vois, genre la pâté normale. Je savais pas qu'ils en faisaient sur leur site. Je pense que je m'en prendrais pour Bichette de ce genre de pâté parce que c'est vrai que les pâtés pour... Oh, ils me regardent. Et oui, Bichette, c'est pour qui ça? C'est pour qui ça, mon chat? C'est de la pâté? Donc c'est de la pâté. Donc là, ils m'ont mis à quoi? Ah si, au saumon et au cabillaud. Eh, ça va, tu te mets bien, toi? Saumon, cabillaud... Ah ouais, hein, ça rigole pas. Donc des petits sachets. Un petit jouet. Alors ça, il adore ce genre de choses. Parce que quand on lance, eh ben, il vient nous rapporter. Genre, c'est un chien, ce chat. Donc très très beau. En plus, il est super beau. Là, c'est un côté un peu microfibre. Et là, c'est un tissu. Il est archi beau. Je trouve ça trop beau. Oh là 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 là. Je sens que ça va pas faire long feu, ça. Ils m'ont mis une petite souris avec du petit papier comme ça. Oh, il adore ça. Ah bah voilà. Voilà. Ah, il me regarde. Ah oui, tu me regardes, Bichette. Et ils m'ont mis un petit plaid. Donc ça, c'est vachement bien, des petits plaids. J'aime bien ce genre de petit plaid comme ça. Je mets ça sur le canapé pour qu'ils se mettent dessus, pour pas en foutre partout. Donc un petit plaid, il est archi beau, noir et blanc. Vraiment très sympathique. C'est pas les petits plaids dégueulasses qu'on voit partout. Ah, ils m'ont mis un petit tote bag aussi. J'adore les tote bags, je trouve ça très bien. Donc voilà, franchement cette box elle est très belle, elle est très très bien fournie. Pour celle qui veut découvrir la marque, moi c'est vraiment quelque chose que bah, j'apprécie. Il y a les croquettes et de la pâtée, de différentes formes, il y a des jouets. Vraiment c'est une très bonne box, je suis assez contente. Je suis désolée Birdie, t'en as pas. Peut-être que la marque t'en enverra une. Non mais Birdie, je suis désolée. Elle me regarde en mode, et moi? Je suis désolée. Je t'en achèterai une si je peux, d'accord? C'est vachement bien ce qu'ils ont fait, regarde. Ils ont mis 3 sachets de croquettes comme ça. Un tote bag. De la pâtée comme ça. C'est pas de la merde en plus cette pâtée là. Hein. Ils ont mis la pâtée en mousse, enfin une espèce de mousse, en poulet au saumon. Il y en a 4 comme ça. Du shampoing sans rinçage. Franchement ça va pour une box hein. Et en plus je crois que j'ai un code promo pour vous. Le code c'est Bichette. Donc ça vous offre 5€ de remise. Que je vous mettrai toutes les informations juste ici. Mais n'hésitez pas à aller voir cette marque. Je trouve qu'elle est sous-cotée. Enfin on n'en parle pas assez. Alors la box est au prix de 25€. Je viens de regarder sur leur site. Là, avec mon bon de remise ça vous fait à 20€. Et à l'intérieur de la box vous avez un bon de 7€. Donc si vous voulez tester la marque, les croquettes ou je ne sais quoi, ou les pâtés, vous avez 7€ de remise. Nous, on va l'utiliser pour acheter de la pâtée, je pense, parce que c'est intéressant. Ça fait, c'était à partir de 15€, vous avez ce bon de 7€, donc vous avez un bon. Donc ça, c'est vachement avantageux. La valeur réelle est de 55€. Donc ça vaut le coup vraiment pour une petite box pour un chat, pour Noël. Vous avez les box de Noël pour chat, pour chien. Vous avez tout ce qui est adapté aussi sur leur site. Tout ce qui est chat stérilisé, chat qui préfère le saumon, chat qui préfère ça, ceci, cela. Le chien c'est pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site, c'est très bien fait. Je vais vous mettre une petite insertion image. Mais ce soir je vais lui faire goûter la pâtée. On va voir s'il aime bien. Mais de toute façon il aime tout ce chat, c'est un goinfre.
Donc en tout cas, merci beaucoup à Ultra Premium Direct, c'est vraiment une excellente marque, il faut vraiment en parler autour de vous, essayez des échantillons chez eux, c'est 1€ l'échantillon, il envoie est vraiment très rapide, j'ai reçu ça en 2 jours, hein. Vraiment, et c'est une bonne marque, hein. Si tu regardes bien les compos. Ah oui, c'est... d'accord. Ah, c'est cool. Bah ouais. Genre, il y a poulet, volaille, saumon, fibre de pois et huile de poisson, il n'y a rien d'autre. Voilà. Il n'y a pas de conneries. Donc bah je vais regarder sur leur site si elle est pâtée comme ça, elle est pâtée en sachet. Parce que j'aime bien les pâtés en sachet, c'est bien. Ah oui, il y a toujours un caca d'œil ce chat. Oh, on lui enlève et bah non, il y en a toujours un qui repousse. Hein, la seconde après. Un petit caca d'œil. Un caca d'œil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste ici, si c'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.